À bicyclette. Ouais, elle chante bien. Aujourd'hui, on est à Cléguer, à quelques kilomètres de Lorient. Oui, et en fait, on a décidé de troquer nos vélos pour aller faire un petit tour en canoë-kayak avec une association locale qui loue des kayaks le long du Scorff et ça a l'air trop beau. T'es prêt à ramer ? Alors ici, on est dans le local de canoë-kayak de l'Amicale Laïque de Cléguer. Vous êtes tous bénévoles. Et on est tous bénévoles, voilà. L'été, pour faire tourner le club, on fait une partie location de canoë-kayak pour faire la balade, soit de Cléguer à Lorient, soit de Lorient à Cléguer, suivant la marée, que ici, le Scorff est soumis aux marées. Vous pagayez à votre rythme, vous ne forcez pas. Parce que comme la balade fait 10 km, si vous vous épuisez sur le premier, les 9 autres vont être beaucoup trop longs. Et l'avantage, c'est que quand on arrive, on vous appelle et vous venez nous chercher. Et effectivement, on va vous chercher quand vous arrivez à Lorient. Et si la marée est dans l'autre sens, eh bien on vous amènera à Lorient et vous remonterez tranquillement jusqu'à Cléguer où on vous attendra. D'ailleurs, ça te dit pas une petite postée ? Ah bah ouais, carrément, t'as prévu ? Mais oui. Mais t'es pas une parodeuse culinaire pour rien, toi. Attends. Santé. C'est notre cyclotrip. Ah, mais il y a des gros poissons. Regarde, là, il y en a plein. Et si tu mets ton doigt, tu vois qu'ils vont te le mordre. Maud, toi qui es fan du yoga, tu pourrais pas nous faire un petit chien tête en bas sur ton kayak? Vas-y. C'est vrai? Ouais. Allez, attention, ça va être le moment, hein. Le moment de la vidéo. Wow. C'est bon. À toi. À moi. Ah, il n'y a plus de batterie. Mais non. C'est dommage. Découvrir une rivière sauvage où il n'y a pas d'exploitation, qui ne fait pas partie des voies navigables de France, donc qui est en état naturel, où vous croiserez pas beaucoup de monde. Ni de crocodiles. Non, mais non. Peut-être des phoques. Ah, ah ouais? Ben oui, c'est déjà arrivé. Evan, ils sont où les vélos? Oh, non.